On sait que les djinns n'aiment pas les visites. C'est donc ça l'entrée de la ville des djinns? Mais qu'est-ce que je dois faire? Razia aurait quand même pu me prévenir pour tout ça. Je suppose que si j'avais un millier d'années, moi aussi j'oublierais des choses. Comme des escaliers géants qui s'effondrent pour vous tuer.
Au fait, tu aurais pu me dire que les escaliers étaient dangereux. Que s'est-il passé? Ils se sont écroulés sous mes pieds. Je suis désolée. La ville est abandonnée depuis des siècles. Je vis ici depuis... si longtemps que je n'y avais pas pensé. Es-tu sûre que tu n'as rien oublié d'autre? Je ne sais pas, un moyen de sauver mon frère? Tu as essayé de l'arrêter, c'est ça? Malgré ce que je t'avais dit? Bien sûr, j'ai essayé. Alors tu sais que je t'ai dit la vérité. Ton frère n'est plus de ce monde. Je sais qu'il n'est pas lui-même. Mais ne peut-on vraiment pas le sauver? Et pourquoi devrais-je te faire confiance? Je ne sais rien de toi. Je ne sais pas grand-chose de toi non plus, fils de Sharaman, frère de Malik. Et pourtant, je dois quand même te faire confiance, pour mettre un terme à tout ça. En quoi cela te concerne? Tu es une djinn. Vous êtes immortel, en quelque sorte. Ratash fut autrefois l'un des miens. Si nous ne réussissons pas à l'arrêter, il détruira tout ce pourquoi je me suis toujours battue. Et toutes les choses que j'ai juré de protéger, y compris ce royaume. Mais pourquoi moi? Pourquoi ne pas agir toi-même? J'ai aussi mon rôle à jouer. Et c'est-à-dire? Tu ne me fais donc toujours pas confiance. Ou bien es-tu tellement en colère, maintenant que tu sais quel est ton devoir, et que tu as peur de l'affronter? Quand j'étais plus jeune, mon père partait souvent à la guerre. C'est Malik qui m'a appris à manier l'épée. Comment pourrais-je l'affronter? Mais ce n'est pas ton frère que tu vas affronter. C'est Ratash. Je le sais. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Tu as raison. Il faut arrêter Ratash et son armée. Dis-moi ce que je dois faire. La ville est totalement en ruine. Tu ne pourras pas la traverser tout seul. Je t'ai transmis mes souvenirs de cet endroit. Ils t'aideront à voir la ville telle qu'elle était autrefois. Pars. Je te retrouverai au temple. C'est la ville de Rekem, autrefois la terre des Marides, la plus grande tribu des djinns. Tu pourras ainsi admirer une partie de sa gloire. Le temple se trouve au-delà de ce mur. Je t'y rejoindrai.